Bienvenue dans un nouveau numéro de Faites le papier, direction l'hippodrome de Paris-Longchamp pour le prix du passage Sainte-Anne, un handicap assez ouvert qui mettra au prix 16 compétiteurs de 4 ans. On commence tout de suite avec celui qui sera mon favori, le numéro 3, Hermano, irréprochable depuis le début de saison et confirmé à ce niveau et sur cette distance, il peut faire mouche. On enchaîne avec le numéro 4, Alali, qui possède encore une certaine marge, à l'aise sur tous les terrains et associé de nouveau à Hugo Journiac, il s'annonce compétitif, au moins pour les places. Le numéro 7, Capetano, c'est à reprendre, il fait toutes ses courses et devrait lutter pour être dans la bonne combinaison du quintet. Le numéro 10, Pangaea, est un véritable métronome, il a fini dans la combinaison gagnante de ses 5 dernières courses auxquelles il a participé. Pour son retour dans les handicaps en valeur 31,5, il devra encore une fois répondre présent. Le numéro 15, Saanen, a prouvé sa compétitivité l'an passé avec une deuxième place décrochée sur l'hippodrome de la Solle. Brillante lauréate en dernier lieu, toujours à Fontainebleau, dans une course à condition de bonne composition, elle devrait être capable de poursuivre sur sa lancée. Enfin, le numéro 2, Alice Talking, n'a plus été revu depuis sa 7e place du 21 octobre dernier à Paris-Longchamp. Il vient d'accrocher le deuxième accessible de plaisante manière à l'occasion de sa rentrée. Pris à une valeur intéressante et avec désormais une course dans les jambes, il aura de grandes ambitions pour son retour dans cette catégorie. Vous pouvez retrouver mon ticket combiné en 6 chevaux pour un montant total de 12 euros. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site equidia.fr.